Bienvenue dans cet espace, cette salle de cours qu'on a rénovée il y a 25 ans, ici en Normandie. Donc il y a 25 ans de travail énergétique ici, de toutes sortes, cours de chant, qigong, nos propres cours. Hier il y avait un atelier mensuel de EFT tombeau chamanique. Et bon, il y a des élèves, j'ai laissé le cercle et le centre. Dans EFT tambour chamanique, on met toujours une pièce centrale pour symboliser l'unité et le pilier central, connexion entre ciel et terre. Donc, nommer ces 12 personnes qui ont accompagné Maria à Noël cette année, c'est important. Et après, on va faire un petit tapping pour le lien et tout ce qui peut résister à le lien et regarder les clôtures comme des barrières, au lieu d'un tremplin vers l'espace quantique où tout est possible. Donc voilà, installez-vous confortablement. Voilà, je vais commencer par là. Je termine avec les sons et un petit temps de respiration. Donc dans cette cercle, vous êtes tous invités et vous êtes tous le pilier central. Nous appelons le Grand-Père Céleste. Grand-Père Céleste qui anime la matière, l'énergie primordiale qui descend sur nous comme une pluie fine de bienfaisance. Nous sommes aimés au-delà de notre imagination. Gratitude pour toi, Grand-Père Céleste. Acceptant rapidement l'énergie, le soleil levant à l'est, ces premiers rayons qui activent la créativité du printemps en nous. Il nous appelle l'énergie, le sud, en ouvrant la porte de cœur, le solstice d'été qui aura lieu dans quelques semaines, cette passion, cette joie immense de floraison, d'éclosion de nos projets. Gratitude, énergie du sud. Nous tournons vers l'ouest. Nous recevons le vent de l'ouest à travers cette porte par laquelle passent tous nos ancêtres. Un grand mystère, mais le
promesse de l'éternel recommencement. Rien n'est coupé, rien n'est fini, il n'y a pas de séparation. Tout est uni. Gratitude. Énergie de l'ouest. Nous portons notre esprit vers le nord. L'énergie du nord. L'inconnu. L'étrange. Le soleil de minuit. Sauf qu'il y aura des changements. Gratitude, énergie de Nord. Je pose ma main sur le cœur, mais vous pouvez taper votre poing de karaté. Laissez le tambour nous entraîner pendant un temps. Chacun de nous se nomme dans ce centre. Marc, je suis ici et maintenant. Chacun votre tour. Je nomme dans ce centre, ce cercle, en remerciant chacun de fond de cœur de leur diversité, leur spécificité par rapport à l'outil. EFT. Merci Nathalie. Merci Benjamin. Merci Jean-Michel. Docteur Denis. Karine. Christine Dizan. Christian. Maria. Solange. Sur le capot.
fois, il y a des pochettes surprises. Mais grâce à tous ces experts, nous sommes entourés, encadrés. Et nous ne pouvons pas mijoter dans notre jus. Gratitude pour cet accompagnement. Gratitude pour cette nouvelle découverte, pour certains. Gratitude pour des découvertes nouvelles de quelque chose qu'on connaît déjà. Gratitude pour toutes les structures qui permettent que ça existe. Cette clôture, c'est pas un fin. Un clôture, ce n'est pas une barrière. Ça fait 10 barrières qu'on a sautées. 10e barrière, clôture. C'est un seuil. Comme dans les temples anciens, le passage de sol nous oblige de baisser la tête, passer par la porte étroite de l'initiation à une nouvelle version de nous-mêmes. Gratitude pour les nouvelles versions de moi-même qui va naître dans le jour qui vient. Gratitude pour les surprises que l'univers m'envoie suite à tout ce que j'ai dégagé pendant ces jours de tapis. Gratitude pour le recommencement et le florissant de toutes les belles plantes que j'ai semées ici dans cette congrès. Je me connecte à le feu, la passion de mon corps et de mon cœur, la passion d'apprendre de nouvelles approches énergétiques pour me comprendre et pour les autres, aider les autres à se comprendre. Quelque part dans l'univers, quelqu'un a le même problème que moi. Et chaque fois que j'ai lâche une couche d'énergie négative, il y a sûrement un bénéfice collatéral dans l'espace et dans le temps. Gratitude pour tout ça. Gratitude pour tous les liens qui se créent. Gratitude pour tous les liens à venir. Gratitude pour tous les liens avec les gens que je ne pensais pas pouvoir avoir de lien. Gratitude pour ce nouvel déploiement spirituel sur la planète suite à ce confinement. Gratitude pour tous ceux qui ont passé pendant cette Covid. On salue leurs âmes en leur souhaitant un bon retour à la source, dans la douceur, avec une pensée pour ceux qui restent derrière dans la douleur et l'illusion de la séparation qui est nécessaire pendant un temps. Gratitude pour mon propre chemin de deuil qui boucle une année. Lundi, toutes les étapes que j'ai traversées et grâce à l'EFT, j'ai pu transcender pour offrir à l'univers quelque chose d'épuré. Je suis certain que Renée est contente, elle est souvent là avec moi. Je ne suis pas le seul à ressentir sa présence. Gratitude pour ces connexions joyeuses entre nous et l'invisible. Il ne faut jamais oublier qu'on est aimé au-delà de notre imagination avec cette énergie de bienveillance. Respirez profondément pour recevoir l'énergie de métal, ces instruments métalliques nous permettent de traverser les frontières.
ressentez l'énergie dans l'espace autour de vous qui s'ouvre avec chaque respire. Acceptez de recevoir ce souffle divin. Je me connecte avec mon ami la louve. C'est une flûte qui est accordé sur le chakra de plexus solaire pour nous aider à digérer tout ce qu'on a reçu, c'est avec l'énergie des souffles. Restez quelques instants. Dans cet espace où tout est lié, il n'y a pas de séparation. Il n'y a que l'unité. Et les connexions entre nos cœurs. Ouvert. Voilà, fais de bons rêves. Connectez-vous à votre source. Et laissez cette semaine nourrie encore.
demain matin au réveil. À bientôt!